Je vais sauter. Voilà. Faites gaffe, c'est très intéressant, faites gaffe. Je demande celui qui n'aime pas les choses intéressantes, alors je demande qui s'absente. J'ai rapporté d'abord le Shulchan Aruch, ouais. Donc, à Koré, Shema, Velo Kiven, Libo, Bepasuk Rishon, Shu Shema, Israël, Lo Yatsa et Dechobato. Qu'on n'a pas eu l'intention, Lo Kiven, Libo. C'est-à-dire, le Shulchan reprend les mots du Rambam, ouais. Celui qui lit le Shema et qui n'a pas eu la Kavanat Alev sur le premier Pasuk, qui est Shema Israël, Lo Yatsa et Dechobato. Il n'est pas quitte, il ne s'est pas quitté de son devoir. Vachar et le reste, il me kiven libo. Un filou yakoreba Torah. Donc tu vois, déjà dans le Lachante, quand on dit il me kiven libo, c'est machma bediavad. Ouais. Il n'a pas dit Vachar l'otzer le chaven libo. Il n'a pas dit Vachar l'otzarich le chaven libo. Oui, Maître Baruch, c'est clair? Il n'a pas dit le reste, il n'y a pas besoin d'être bien chaven libo. Il dit Vachar im lo kiven libo. Et le reste, s'il n'a pas eu la kavana, donc c'est bediavad. Il faudrait oui, mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui se passe? Rav, je n'ai pas eu la kavana pour le reste. Ma koreli, ma osimli, or gimoti, non. Afilouaya kore batoiro. Quoi, même le mec, il est en train de lire dans le chumash et tout. Ouais. O magia parashiot a elou, beonat kreat shema. Bien, il est en train de corriger ces parashiot-là, alors que l'heure du kreat shema est déjà arrivée. Yatsa, veu, shekiven, liboy, le pasuk, rishon. Il répète le Rambam. Oui, t'es quitte, mais attention. À condition que pour le pasuk, bien sûr, tu as eu la kavana. Mishnah Boura en bas de la page. Kiven, liboy. Kavana zu amura kan. Enena kavana amura be seif dalet. Parce que dans le seif dalet, il y a marqué Yesh omrim ke mitzvot enot tzrichot kavana. D'accord? Donc on parlait juste avant. Est-ce qu'on a besoin de Kavana Latset. Kavana Latset. Il dit non, mais on ne parle pas de la même. Kavana Zou, Amoura Khan. Et Nana Kavana Amoura Besef Dalet. Ici, on ne parle pas maintenant de l'intention de s'acquitter dans ce safe. Hey. Des chamois kavana, la tset, il y a des chovat, mitzvah zou. A kavana zou, bainan l'école à parachute. C'est-à-dire, j'ai un devoir de raïta, des rabbanan, leur patli. Mais de dire trois parachutes, c'est un devoir, c'est pas facultatif les trois parachutes. Et je dois avoir l'intention de vouloir m'acquitter de mon devoir, quel qu'il soit, de raïta, des rabbanan, ouais, dans toutes les parachutes que je vais lire. Donc avant de faire mon kriyat shema, je dois avoir l'intention de m'acquitter des parachutes du Kriyat Shema. 1, 2, 3. Sur ça, on ne s'est pas limité au premier passouk. C'est sur l'ensemble du Kriyat Shema qu'il faut avoir l'intention de s'acquitter de notre devoir, d'Oraita et des Rabbanan. C'est bon? Shemken Kavanazu, la Kavana qu'est en train de parler le Shulchan Aruch, en citant le Rambam, ou les Dbonen, ou la Soumalibo Maché Omer. T'as vu? T'as vu Julien ou pas? Au début, il dit la chose suivante. Il dit, c'est quoi la Kavanat Alev? C'est de réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Pas de lire de manière automatique, mais et une lecture intentionnelle. Tu sais ce que tu es en train de dire. Le Bonen Vela Soumalibo Maché Omer. Ou le Kar ou le Ikuva. Rakbe Pasuk Rishon. Dans le premier passage, si tu ne l'as pas fait, cet effort de faire attention à ce que je dis, ouais, et lama bemet zechashuv, dans le passage Rishon, lama, sheshbu ikar kabbalah tol malchut shamaim ve'arduto itbarach. T'as vu ce qu'il dit, t'as vu Julien ce qu'il dit, justement, il ne dit pas, tserlit bonen ve'dekabel ol malchut shamaim, il ne dit pas ça. Il dit, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que dans ce passouk-là, il y a quelque chose d'important qui s'appelle Kabbalat Malchut Shamayim. Il dit pas que ça c'est ça la kavana qu'il faut avoir. La kavana, c'est tu dois bien t'arrêter sur chaque mot que tu es en train de dire. Pourquoi c'est important? Parce que l'enjeu, il est important. Est-ce que tu es passé à la deuxième étape? Première étape, c'est attends,
Je suis en train de dire que Hachem, donc c'est l'Éternel, Aya vous éveillez, c'est notre Dieu, Takif, hein, que l'Éternel, il est Echad, voilà, j'ai bien placé chaque chose. Ouais. Ça, c'est j'ai fait la première étape. Pourquoi on te demande de faire attention à de comprendre les mots que tu es en train de dire? Ouais. Parce que cette phrase-là, elle est importante en soi. Il faut que tu sois amené, bah, peut-être à la suite ou en direct, à développer peut-être la notion de Kabbalat Olam Haruchamayim. Peut-être c'est une deuxième étape. On pourrait comprendre ici, c'est une deuxième étape qui est très encouragée. C'est pourquoi on te force de bien comprendre ce que tu dis pour y arriver. Mais on n'a pas l'impression que si tu n'es pas arrivé à la deuxième étape, tu n'es pas quitte. Il faut bien faire la deuxième étape parce que c'est ce qui permet d'arriver à la deuxième étape. C'est quoi ce que j'appelle la première étape et la deuxième étape, Marco? Tu n'as pas suivi? Non, tu n'étais pas avec moi, Marco. Mais dis-moi quand tu perds le fil. Parce que tu étais important à mes yeux, comme dirait l'autre. On t'aime beaucoup, Marco. Hein? On ne veut pas te résumer une mascotte. On veut que tu sois participant à tous les moments de Torah qui nous irradie de bonheur. Ouais, donc je reprends. On a avec Julien depuis le début une, pas une marloquette, une réflexion, une méditation. Combien le Rashba, il est rigoureux ou bien c'est un chidouche atzoum? Moi, je dis que c'est un chidouche atzoum. D'accord? Et c'est quoi le chidouche du Rashba? C'est que le Icar, c'est de prendre sur soi que Hachem Echad. C'est-à-dire, c'est la conséquence, le Icar. Alors, si tu dis la conséquence, c'est le cas, alors il y a la question de Julien, de Jérémie, les mots, ils sont où? On peut être médalègue, arriver à la conséquence sans les mots. Quand tu lis Mishnah Bora, on voit que le plus important, c'est les mots. Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi ces mots-là sont importants? Parce que ça t'amène à l'Olam Malchut Shamayim, ce que j'appelle la deuxième étape. C'est-à-dire, si quelqu'un, il va dire ce premier verset de manière pas intentionnelle en lisant. Il ne pourra pas arriver à la Kabbalat Olam Haruchot Shamayim parce qu'il ne sait pas ce qu'il a dit. Alors que si il va mettre un effort particulier dans la lecture, de bien comprendre ce que chaque notion veut dire, ça va l'aider à arriver au but final et important, mais qui n'est pas l'Eikouva. Il est important ce but-là, d'arriver à intérioriser En Ol Milevado, ni Bibi, ni Tsahal, ni Hamas. Mais la mitzvah, elle est sur comprendre les mots. L'idbonen ve la simlev, dans les mots. L'idbonen ve la soumalibo maché omer. Ah, pourquoi le premier passouk? Toute la Torah, elle est importante, question. On te fait lire des parachutes. Toute la Torah, elle est importante. Pourquoi on ne devrait pas être mitbonen ve la soumlev sur toute la première paracha? Tout est important. Non, parce que grâce à l'effort de bien comprendre ce que je dis dans le premier passouk, je vais arriver à la deuxième étape qui est importante, c'est de Mekabel Ol Malchut Shamayim. C'est la deuxième étape. N'est pas l'Eikouva. Sinon, il aurait dû dire, ouais, Kavanazoui, Lekabel Ol Malchut Shamayim, Alkol Mila Sheomer, je sais pas où. Ouais. Ou rapporter la phrase du Rashba, ouais, tout simplement. Ouais. Non, la réflexion bidon, je trouve une chaise. Non, Chas et Shalom, il n'y a pas de chaise ici. Non, on l'a dit, c'est vrai que les câbles Ol Malchut Shamayim, alors à quoi ça change les mots, etc., tant qu'on le ressent, etc. En fait, c'est pour contrer. Vous connaissez ce qu'il dit? Moi, c'est dans Le mon cœur. cardiaque, Alors, le si tu veux, cardiaque, alors cardiaque. exprès, tu dis, ah bon, tu veux être mécabel à la route? Alors, dis les mots. Dis ce qu'on t'oblige à dire. Justement, pour te montrer que pour être mécabel, c'est pas comme tu le sens, toi. Alors, Oui, non, je je ne veux pas jeter de chaise, ouais. C'est-à-dire, je pense que c'est dommage d'abîmer une chaise pour de telles Ouais. paroles, ouais. Ah, c'est dommage pour les chaises. Ouais, d'accord. Et quand on entend une telle question, on dit qui c'est? Qui a parlé de ça? Ouais, écoute-moi, Jérémy. Écoute-moi. J'entends ta remarque, mais comme je dis souvent à des camarades de notre classe, ouais, tu dis ça par rapport à quel point? C'est-à-dire, tu veux, c'est-à-dire, t'as une remarque maintenant, c'est général? T'as pensé ça comme ça ou c'est lié à ce qu'on vient de lire? Ça que je te C'est demande. lié à ce qu'on avait dit sur le Rashba, que j'avais dit, que Julien avait dit, etc. Où ils te disent l'importance c'est d'être mécanique Mais à la comment tu route. comprends, déjà avant le Rashba, comment tu interprètes les mots du Mishnah Moura? On est d'accord que dans le Shulchan Aruch, on ne parle pas de Kabbalat Olam Haruchot Shamayim? On parle de Kavanat Alev. Quand maintenant tu lis Kavanat Alev, avant d'arriver au Rajba, Alev, c'est d'avoir du lev dans ce Sais que ce que tu je veux dis. dire. Pas chou, quoi. C'est ça Kavanat Alev, ouais.
C'est-à-dire de pas dire des choses automatiquement, mais tu le dis, tu comprends ce que tu dis, c'est kavana. Ata omer et zebe kavana. Maintenant, tu dis, ah, tu as fait les télim be kavana telev. Tu as compris ce que tu as dit, ouais. C'est pas ça que tu parles kavana telev, c'est kabbalat shamayim. Donc on est d'accord avec ça. Donc quand tu vois le Shulchan Aruch, a priori, le Rajba n'est pas évoqué. Parce que là, on parle du minimum syndical, ouais. On parle maintenant qu'on est quitte, on n'est pas quitte. Qu'il y a une notion de mekabel shalom, on n'est pas cholek. Ça ne me pose pas de problème, puisque Rabbi Shimon ben Korah dit ça l'enjeu de la première paracha, c'est pour ça que ça part d'abord, ça passe d'abord. Donc. Et comme il a dit Julien aussi sur Rabbi, que où est-ce qu'il est Mekabel Ol Malchut Shamayim? Donc cet enjeu, il existe. On ne dit pas qu'il n'existe pas cet enjeu d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim. La question est de savoir quel est le minimum sur lequel on dit, ah, si t'as pas fait ça, t'es pas quitte. T'as fait ça, t'es quitte. C'est pas bien, mais t'es quitte. Alors, ce que tu vas dire? Voilà, c'est ça qui marche pas dans le Alors, Shulchan Aruch. ce que tu veux dire? Voilà. Maintenant, la question du Mishnah Berurah, c'est. Pourquoi c'est toujours important de comprendre ce qu'on dit? Alors pourquoi on m'a limité de faire l'effort de comprendre ce que j'ai dans le premier passouk? À Kol Zé Torah, je devrais comprendre tout. Et non, parce que quand je vais comprendre ce que j'ai dans le premier passouk, je vais arriver à ce que j'appelle la deuxième étape, regardant les mots. Kavanazu les bonen velasum al libo maché omer. Ou le kar ou les kouverak be passouk rishon, pourquoi? Sheesh bo kabalat ol malchut shamim verdutoed bar. Dans ça, il y a la notion. Pas chez Tsarik les Raven, les Kabbalah. Dans ça, on parle de ça. Donc, il faut bien comprendre ce que tu dis, parce que tu es en train de parler d'une phrase importante. Cette phrase est importante. Et donc, tu peux ou tu dois peut-être être amené à toi-même arriver à intérioriser le message que Moshe a demandé à sa génération d'intérioriser. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais dans les mots du Mishnah, on sent que l'enjeu, il est. Tu dois comprendre ce que tu dis. Pourquoi ce passouk-là plus que le reste des autres parachutes? Parce que ce passouk-là, le message, il est important. Donc, il faut que tu le comprennes. Après, tu as un travail à faire sur ça. Comme je vous dis, quand je dis il n'y a pas Hamas, il n'y a pas Bibi, ce n'est pas écrit ni dans le Rajma, ni dans. Mais c'est ni de bon énoute que quelqu'un va devoir avoir. La Kabbalah Tol Malchut Shamayim, elle est sans fin, en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a que Hachem, ouais. C'est ni de bon énoute qui a des implications que la personne elle-même. Elle doit travailler en permanence. C'est quelque chose que tu ne peux pas tellement limiter. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? J'ai vu par exemple hier un livre, je ne sais plus c'est qui. Mais c'était hier. J'ai vu ça, oui, tiens. Je ne m'en rappelle même plus. Hier, je n'avais pas l'ordinateur, alors comment j'ai vu ça? Je sais pas. Alors j'ai vu hier une idée comme ça, intéressante, qui disait que. Ah non, j'ai vu ça, ouais. Non, j'ai vu ça avant Mitra, dans un livre, que je sais pas à la maison. Hein. Il dit comme ça, il dit, quand maintenant il faut être Mekabel, Ol Malchut Shamayim, on va voir dans la Gemara les quatre points cardinaux, le ciel, la terre, le machin, il dit. Alors, il y a des Mefarshim qui disent, mais n'oublie pas que tu es inclus aussi. C'est facile de dire Hachem, il fait tomber la pluie, il fait naître les bébés, il fait mourir les morts, etc. etc. Mais est-ce que ce que tu as essayé d'investir dans ta boîte ou. La discussion que tu as eue avec telle personne, est-ce que sur ça aussi, tu es Kabbalah El Olivado, que sans Hachem, ça ne peut pas porter ses fruits? Souvent, on oublie. On dit, on vient maintenant, comment dirais-je, les lois naturelles, non, c'est Akadosh Baruch Hu, l'histoire du monde, etc. Mais moi, ce que j'ai fait, quand dans le Kriyat Shema, ça inclut aussi une Kavana, que Hachem Era, donc il n'y a aucune autre force qu'Akadosh Baruch Hu. Et donc, moi aussi, mes efforts sont vains sans son intervention. Est-ce qu'on y pense à ça aussi? Des Mekabel Alatsmo. L'oracle à l'Orlam. Des Mekabel Alatsmo. Ce qu'on fait un peu à Rosh Hashanah, ouais. Rosh Hashanah, on parle du monde entier, mais on a un travail aussi dans le Kriyat Shofar à cause de la Gemara de Rosh Hashanah d'Av Tet Zayin, ouais. On dit Tamlichuni Alechem. Je vous avais fait remarquer que dans le Tosefta, il est marqué Lamnir al Bnei Adam. Il est marqué dans le Tosefta. Et dans la Gemara, Lamnir Alechem. Dans la tefila, on parle plus de l'amir al-Bnei Adam, que ma chère vienne et que le monde entier reconnaisse. Ça, c'est facile. Mais la morale parle du truc difficile. Alay! Que je ne peux pas faire un pas, je ne peux pas dire un mot, je ne peux pas réussir une affaire dans mon commerce, ouais, ou l'éducation de mes enfants, ou je... sans maintenant l'aide divine. L'amir alay! Donc la Kabbalah de Malchut Shamayim, elle a de nombreuses implications, de nombreuses réflexions. C'est une réflexion sans fin. Ouais. Maintenant. Quoi, et si j'étais m'amener sur le monde et pas sur moi, je suis quitte, on ne rentre pas dans ça. Ça, c'est des conséquences du travail que la Torah m'a imposé. Il y a un travail de bien méditer que Hachem est le Kenu, Hachem Echad. Combien de personnes maintenant il va pousser la réflexion que Hachem Echad et rien d'autre? Après,
c'est quelque chose de d'encourager, mais qui va dépendre un peu de chacun. C'est le but d'arriver à méditer une chose pareille. Mais c'est quoi l'obligation qui concerne tout le monde? T'as compris que c'est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre et aucune autre force? T'as compris? Très bien. Et quitte. On continue. Mishnah Bora. Shafilou. On a fini le Mishnah Bora. Yudalef, on le finit. Viachomrim. Shafilou Kavana Latset ou Leikouva. Ragbe Pasuk Rishon. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette. Quand on dit que Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Alma Tzer Kavanat Alev, que tout s'arrête au Passouk Rishon. Pas uniquement comprendre les mots, mais avoir l'intention de s'acquitter. Le reste, t'as pas besoin d'intention de t'acquitter. C'est bizarre, non? C'est chômerie. Vous entendez ou pas ce qu'il dit le. C'est quoi? C'est Kesef Mishneh, ouais. Kesef Mishneh, il dit le premier passouk. On parle maintenant encore une fois du minimum syndical. Hein. L'Echatrila, Tzer Kavana, des mots, de s'acquitter et tout. Maintenant, je ne l'ai pas fait. D'après la première opinion rapportée par le Mishnah Moura, hein, je dois avoir comprendre les mots dans le premier passouk, et je dois avoir l'intention de m'acquitter de la première paracha, de la deuxième paracha, de la troisième paracha. D'accord? Ça, c'est la première opinion, qui rapporte au nom de la Shita Mekoubetset. Enfin, c'est, il dit Ritva, ouais. C'est curieusement, il dit Shita et Ritva et Shita Mekoubetset. C'est étonnant que le Chafetz Chaim n'a pas remarqué ce que j'ai remarqué moi-même. Que c'est mot à mot la même chose, ouais. Mais bon, c'est pas grave, petite remarque au passage. En tout cas, ça, c'est première opinion. Première opinion. Vadaï, Kavana Latset, Vadaï. Si on est possède comme mitzvot Tzrirot Kavana, et c'est le cas du Shulchan Aruch qui dit qu'on est possède comme mitzvot Tzrirot Kavana, ce serait Kavana Tzed, même de la mitzvah des Rabbanan. D'accord? Il vient dire, Yesh Omrim, c'est le Kesef Mishneh, dit non, 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 premier passouk, j'ai Kavana, des mots, Kavana Latset. Le reste, tu lis n'importe comment, c'est bon. Pourquoi il dit ça, le Kesef Mishneh? Vous avez une idée? Parce que ça a l'air d'être ça le pshat dans le Rambam. Je rapporte le Rambam. Ouais. Il dit le Hachar, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Ve Hachar, il no kiven libo afilu ya kore batora, o magia parashot. Magia parashot, en lo kavan à la tête. Magia parashot, en lo kavan à la tête. Sinon, ça veut dire quoi, magia parashot? Vada en lo kavan à la tête. C'est-à-dire le Mishnah Moura, hein, les gens croient que c'est un pirouche sur Shulchan Aruch. Il aurait dû dire d'abord le Kesef Mishneh, parce que c'est quand même le Rav Yosef Caro qui explique ce Rambam. Donc comme pshat du Shulchan Aruch, c'est d'abord le Kesef Mishneh. Et comme le Rambam c'est une Shita Yechida, et que le Mishnah Moura il est possède comme le Rav Aposkim, le Rav des Rishonim dit non, non, Kavanah Latzed c'est sur toutes les parachutes. Le Mishnah Moura c'est un livre d'Alaha. C'est pas uniquement un pirouge du Shulchan Aruch. En tant que pirouge du Shulchan Aruch, vadaï, 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 que comme maintenant, le Shurur me dit qu'après le premier passouk, même si je suis en train de corriger le Sefer Torah, je suis quitte, donc l'autre sert Kavana la tête. Justement, il ne peut pas expliquer le Ritva dans les mots du Rambam. C'est impossible. C'est impossible. Vous êtes avec moi ou pas? Mais Mishnah Moura, il ne le fait pas tout le temps, mais là, il le fait. Il t'a rapporté quand même une autre façon de comprendre, qui est minoritaire, mais qui me permet de lire le Shulchan Aruch quand même. Des fois, le Mishnah Moura, il n'explique même pas comment on lit le Shulchan Aruch. Des fois, le Shulchan Aruch, c'est un prétexte de rapporter le Rav des Poskim. Des fois, il ne rapporte même pas le Pshat du Shulchan Aruch, le Mishnah Moura. Là, il a rapporté un Yeshomrim. Il ne nous a pas dit Vezé Kavanat Maran. Quand tu n'as pas étudié à Souga, hein, des fois, des gens ils se trompent complètement dans le Mishnah Moura. Parce que le Mishnah Moura, il explique pas du tout. Il te donne la conclusion de la halakha, mais juste Shulchan Aruch, c'est la base de son texte. Il a pris une base, reconnu que c'est Shulchan Aruch, mais il n'explique pas tout le temps Shulchan Aruch, le Mishnah Moura. Des fois, il rapporte des psakim ashkenazim dans Shulchan Aruch. Dans Michoul, on voit ça souvent. Sans mettre la clignotant à droite.
ça que bon, c'est bien aussi d'étudier des poskim sfaradim pour pas se tromper dans la lecture du Mishnah Berurah. En tout cas, on est étonné quand même de l'opinion du Rambam. Si on dit, c'est la question du Rajba, que mitzvot sreirot kavana, même pour une mitzvah des Rabbanan, on a un problème. Le Rambam, le même, dit qu'il faut kavana la tzed dans la Megillah et dans le Hallel, qui est des Rabbanan. Alors pourquoi ici c'est différent? Même si tu dis que les autres parachutes sont des Rabbanan, il faut kavana la tzed. Même quand je suis Koré la guerre, je suis quitte, mais je n'ai pas kavana la tzed. Vous comprenez le problème ou pas? Maître Baruch. On a un Rambam qui dit qu'il faut une kavana la tzed dans la Megillah. C'est des Rabbanan. Dans toute la Megillah. Pourquoi dans le Kriyat Shema, on n'a pas besoin de Kavana Latzet? Vous avez vu pourquoi on n'a pas besoin de Kavana Latzet dans le Kriyat Shema? Le premier Passouk, il y a besoin de la Kavana, et après, je peux même lire la suite comme étant un Sofer qui corrige. Un Sofer qui corrige, on dit, il a Eno Kavana Latzet. Même le Mandé Amar, que Mitzot Plot sera de Kavana, il n'est pas quitte normalement. Alors comment le Rambam dit que c'est bon pour le reste? Ouais, même des Rabbanan. Écoutez-moi ce Marco. C'était revenu à ta place, c'est fini. C'est fini celui qu'on aimait uniquement. Maintenant, t'apprécies. Ouais. Il dit un chidouche comme ça, le Marco. Il dit comme ça, il dit la Megillah, si t'as pas Kavanah Latzed, alors t'es dans les choux. Là, t'es pas dans les choux. C'est comme le premier passouk. T'as fait un effort surhumain, non seulement de Kavanah Latzed, mais en plus de comprendre les mots. Ouais. Alors, il y a des chances que la suite, même si tu le fais de manière très négligente, ouais, on va pas te faire reprendre. On va pas t'imposer à reprendre ce que tu as fait la suite. Parce qu'il y a des chances que le premier passouk que tu as bien fait, ouais, il puisse t'amener à de temps à autre à bien faire la suite. Tu vas être dans l'élan du premier passouk. Une mitzvah, il n'y a pas une notion de premier passouk. Il faut voir avoir Kavana à la tête. Mais hein, le premier passouk, il est tellement fort qu'il peut maintenant, comment dirais-je, compenser la nullité de la suite. Cette phrase, elle est un peu bizarre, ouais. Faut comprendre ce que ça veut dire. Le chilouk est intéressant. Ah, il va aller sur ça, le Shouran Rav. Ouais. Mais je vais vous, par l'intervention de Marco, je vais vous donner un autre élément de réflexion. Il y a écrit, les Mefarshim, le Rajba demande, et je ne comprends pas. Même si tu dis que t'as pas besoin de Kavana Latzed pour la suite du Kriyat Shema. T'as pas besoin. Nagid. Mais je ne comprends pas. D'après le Mandé Amar que Mitzvot, l'Otzreot Kavana. Donc, il n'y a pas besoin de Kavana la tête. Mais il te dit que Koré la Guia, t'es pas quitte. Koré la Guia, tu te rappelles le chauffeur? On a dit Im Kiven Libo Yatsa. Im Lo Kiven Libo, Lo Yatsa. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Gemara dit? Que même d'après l'opinion, que tu n'as pas besoin d'avoir l'intention de t'acquitter. Ici, un chauffeur qui était en train de vouloir corriger son Sefer Torah. Il n'avait pas l'intention de lire. Quand maintenant, pour qu'il soit quitte, il n'a pas besoin de l'intention de s'acquitter la Mishna, mais au moins l'intention de lire. Vous vous rappelez la Gemara? Au moins l'intention de lire. Mais s'il est Koré la Guia sans avoir l'intention de lire, Koré la Guia, c'est sans avoir l'intention de lire. Vous vous rappelez ou pas? Koré la Guia, c'est-à-dire sans intention de lire, mais j'ai lu. Mais je n'ai pas eu l'intention de lire. Ce n'est pas une lecture intentionnelle. On ne parle pas de comprendre. Hein. Parce que j'ai l'intention juste de lire avec les yeux et ça m'a échappé. Ou non, de même sortir de la bouche. Alors, Gmaral te dit que d'après l'opinion que Mitzot l'autre srichot kavana, d'après l'opinion que Mitzot l'autre srichot kavana, il est d'accord que le sofer qui est en train de regarder avec ses yeux pour trouver des erreurs et qui cède avec sa bouche, mais il ne veut pas lire. Il n'a pas intention maintenant de lire. Même lui, il est d'accord qu'on n'est pas quitte dans un cas pareil. Comment le Rambam me rapporte que le reste des parachutes, on peut même Koré la Guia, c'est bon. Alors, les autres parachutes, il y a un devoir au Deraïta et des Rabbanan, d'accord? S'il y a un devoir, il faut s'acquitter. Même si on est possédé comme le Mandé Amar,
Si un devoir, faut s'acquitter. D'accord que ce soit, si un devoir, faut s'acquitter. Alors, il faut ou avoir l'intention de s'acquitter, ou il n'y a pas besoin d'avoir l'intention de s'acquitter. Mais même d'après celui qui dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'intention de s'acquitter, il faut l'intention de lire au moins. L'intention de corriger, ça ne marche pas. Alors, comment le Rambam, il dit que le Kriyat Shema, c'est les trois parachutes, donc il faut lire les trois. Et après, le premier passouk, même si tu as lu la Guia, t'es quitte. Mais d'après personne, on est quitte de courir la Guia. Même d'après l'opinion que mitzvot l'otzirot kavana. C'est clair, Jérémy, ou pas? Marco? Non, mais t'es pas obligé de dire ouais comme ça pour qu'on t'aime. Ouais? Maître Baruch? Voilà, je sens que le ouais, il est forcé, là. C'est genre le flic qui t'arrête, tu recommenceras plus, tu mettras la ceinture. Ouais? Même chose, ouais? Je sais pas comment vous l'expliquer, hein. Vous vous rappelez de c'est quoi courir la guerre par de quelqu'un? C'était quoi le problème? Voilà. On leur dit, on ne va pas dire comme Tosfot, on a dit comme Rabbi Yonah, Ritva, dans Rashi. Le mec, il a l'intention de corriger, mais pour céder, il parle, mais il ne veut pas lire. C'est une kavana de corriger. Alors, c'est comme Mitasek, on a dit. Et le Mita mouillé, Mitasek. Hein? C'est comme Mitasek. De quoi? Je vais te jeter un lit, ouais. Il y a des gens, ils sont pas toi, il y a des gens qui sont chavmita, on jette un lit. Et donc, very bad, ouais. On reprend. Mitasek, on a vu dans la Gemara de Rosh Hashanah que je vous ai cité, le mec qui est Mitasek Béchofar, il ne veut pas faire de la musique, il a soufflé, ça a sorti un son, il n'est pas quitte. Tout le monde dit qu'il n'est pas quitte. Et on voit ici l'équivalent de Mitasek, c'est Koré Lagia. Je suis en train de lire et ça a sorti de la bouche. Et donc, même d'après l'opinion permissive que Mitzvot Lotzrichot Kavana, ça ne marche pas. Il faut vouloir lire au moins. T'as pas l'intention de t'acquitter, mais au moins, et l'intention de lire, mon ami. Le Rambam me dit, ouais, prends pas sous, faut avoir l'intention, machin. Le reste, même courir la guerre. Mais... Alors, qui vient Nibo Yatsa? Ouais. Alors. Ouais, je comprends ta question. Je comprends ta question. Julien veut dire, peut-être c'est uniquement l'intention de lire. Ou de s'acquitter. S'acquitter. C'est l'intention de s'acquitter. Et ça, on ne peut pas dire dans la Gemara que on a besoin uniquement l'intention de s'acquitter pour le Pasouk, et pas plus que ça. Pourquoi? Parce que sinon, la Gemara n'aura pas demandé Mitzvot Srot Kavana. C'est-à-dire, si tout le monde est d'accord, même le Mandé Amar que Mitzvot Lotzrirot Kavana, que le premier Passouk, on a besoin de s'acquitter, on va dire non, on parle du premier Passouk. Il passe une fois par la tête de son père entre le premier Passouk et le deuxième. Quoi? Tu suis. Schéma vers ça. Toi, tu parles de s'acquitter? Ouais. Non, s'acquitter, on ne parle pas du sofer. Quand on parle du sofer, c'est quand on ne parle pas qu'on a l'intention de s'acquitter, l'intention Oui. de lire ou de ne pas lire. Mais pour moi, il s'acquitte dans le Non, premier. mais justement, je dis ça ne rentre pas dans la Gemara. On parle de lire là-bas. On ne parle pas de s'acquitter, ouais. Dans le sofer. Maintenant, le Rambam, il peut être possek, comme le même d'ailleurs, Mitzvot Srot Kavana, donc il a plus besoin du sofer. Sofer, c'est d'après l'opinion que Mitzvot Srot Kavana, comme on l'explique la Mishnah. Si le Rambam, il est possek Mitzvot Srot Kavana, on s'en fout du sofer. La question, c'est on s'en fout, mais si même pour le Mandé Amar, Mitzvot Lotzrot Kavana, ça ne marche pas le sofer, alors a priori, à Kalva Romer pour le Mitzvot Lotzrot Kavana, ça ne marche pas le sofer. C'est la question. Alors, ça qui répond le Kesef Mishneh, il dit non. C'est ce qu'il a dit Marco. Quand tu as eu la Kavana pour le premier passouk, on pense que Mitzvot Lotzrot Kavana, et tu as eu la Kavana à la Tzed, et tu as eu la Kavana des Milim du premier passouk, cet effort-là, ouais. Il est tellement important que même si la suite, tu le fais de manière vraiment
au passage, en correction, ça suffit. Tu as fait le Icare. Quand on parlait du sofer, c'était de tout faire comme un sofer. Elle disait, en marloquette. Ça marche pas. Mais quand tu dis que tu étais mis de Kaven dans le premier passouk, Velatset, alors le début, il est gorer la suite, il a dit Marco. Comme ça, il a compris le Rambam, Marco. Donc même sofer, ça ne dérange pas le Rambam. Qu'est-ce qui dérange sofer? C'est quand tu as tout fait comme un sofer. Tu n'as rien fait alors. C'est un peu ce qu'il dit Jérémie. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier passouk et la suite? Alors c'est un sofer un peu bizarre. Et quoi, il n'a pas réfléchi un petit peu? Rambam, il dit, c'est possible qu'il ait réfléchi un petit peu, c'est pas très clair. Ah, comme il a bien fait le début, alors on juge bien la suite. Même le pire des Kavanas a dit, ah, il a bien fait le début, alors il y a des chances qu'il y ait quand même des retombées par la suite, quand il a bien fait le début. Justement, ce point-là, pourquoi je soulève ce qu'il dit Marco, parce que c'est de ça qu'il va parler le Shulchan Arabe, voilà, c'est cette Nekouda-là. Ouais. Alors avant d'arriver au Shulchan Arabe, j'aimerais qu'on finisse le Mishnah Berurah. Et donc il dit, Omagia Parashot, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah? Gouche et Kore Kilcheta. Donc il ne veut pas expliquer comme Tosfot. Ouais. Je vais expliquer Tosfot. C'est-à-dire Magia, quand il dit Magia Parashot, tu ne peux pas expliquer comme Tosfot. Qu'est-ce qu'il disait Tosfot, Maître Baruch, vous vous rappelez ou pas? Le Magia. C'est qu'au lieu de dire l'Otafot, il dit les Tadpet. Alors les Rishonim disent sur Sot, mais j'ai besoin maintenant que la Mishnah me dise Kiven Libo, c'est de l'Otafot ta faute, mais les Tadpet, ça marche pas. J'ai pas besoin de la Gemara, elle m'a rien appris. C'est pas chou ce qu'elle me dit, la Gemara, la Mishnah. Elle me dit Kiven Libo, c'est d'arrêter de dire les Tadpet, c'est dire les Otafot ta faute. Les Rishonim qui sont collés sur Tosfot, il dit, mais c'est pas chou, je veux pas dire les Tadpet. Faut pas. On n'est pas un ordinateur, c'est pas un langage binaire. Tu dois lire les mots tels qu'ils sont écrits. Faut dire les Totafot, ça veut dire les Tadpet. Enchou Mavana, les. Donc, sur Cholek, sur Tosfot. Donc, même que le Rambam, il parle Magia Parashot, Mishnah dit, n'explique pas Magia Parashot comme Tosfot. Ça, on ne sera pas quitte. Même d'après le Rambam et Shulchan Aruch. Donc, il faut expliquer que c'est un problème de Kavana. Mais le mot, la lecture, elle est nickel. Juste la tête, elle n'est pas là-bas. Mais la lecture, elle est nickel. La tête, elle n'est pas là-bas. Mais comme tu as mis la tête pour le Pasouk, c'est bon, la suite, on est tolérant. Alors, lisons ensemble, si vous voulez bien, le Shulchan Aruch. Parce que vous allez voir que ce n'est pas facile. Donc j'ai besoin de votre aide quand même. Kol ha-mitzvot tzrichot kavana latzet yedei chova be'asiyat ota mitzvah ve'im asa'a be'lo kavana latzet yedei chovato ela kemitasek be'alma. On va commencer à traduire. Toutes les mitzvot ont besoin de l'intention de s'acquitter de son devoir dans l'acte accompli. Dans cette mitzvah-là, et s'il a fait sans l'intention de s'acquitter, mais il était en train de manipuler un truc, de souffler dans un truc, be'alma, ou le kavanah heret, velo le shum ota mitzvah, lo yatsa yede chovato mina Torah. C'est pas quand on dit mitzvot sreot kavanah latzet, c'est pas une takana des rabbanan, il explique le shur. Première étape, c'est pas une takana des rabbanan qu'on demande d'avoir la kavana. C'est la Torah qui t'impose de vouloir t'acquitter de la mitzvah. Premier enseignement important. Frigadim ou mistapek basé. Ouais, il dit peut-être c'est des rabbanan. Quand il a marqué de mitzvot, peut-être c'est des rabbanan. Doraïta, tu as besoin de faire l'acte. Des rabbanan, non, si tu n'as pas eu la kavana, tu reprends. Mais pitom, la Torah te demande de vouloir t'acquitter. C'est un enjeu Torani. Premier chidouche. Pas enfin, chidouche. Puisque le prigadim a eu un safek, c'est un chidouche. Moi, j'aurais pas eu de chidouche sur ça. Tellement, je ne comprends pas l'autre opinion que mitzvot l'autre de Kavana. Sachant qu'on a tenté de faire mitzvot, faut vouloir t'acquitter de ton devoir. C'est le minimum syndical, a priori. Pour moi, ce n'est pas un chidouche quand on me dit que c'est Doraïta. Mais à cause du safek du prigadim, ça s'appelle un chidouche. Viesh omrim chez mitzvah, mitzvot, ensre Kavana, veafamit tasek yatsa bediavad. Waouh! Il faut comprendre ce qu'il veut dire par mitasek. Ouais. Donc on parle de bediavad, on parle pas, c'est comme ça qu'il faut faire la mitzvah, c'est si j'ai fait, on ne me fait pas reprendre. Et si je reprends, je fais sans bracha. Ve'alacha kezvara rishona, bema dvarim amorim be mitzvot shel Torah. Il y a plein d'acharonim qui disent ce chilouk-là, le Mishnah Berurah y compris. C'est mina Torah pour les mitzvot de la Torah. Et pour les mitzvot des Rabbanan, c'est pas mina Torah. Il y a la diotime, je crois.
Non, c'est que on impose d'avoir la kavana et c'est les ikouva pour les mitzvot de la Torah. Rabbanan le Echmiru. Il y a des coulottes dans des Rabbanan. Il y a des coulottes dans des Rabbanan. Par exemple, coulottes que. Qu'est-ce qu'on a comme coulottes dans des Rabbanan? Mishum Efsed Meroubé, on permet. Mishum Vodabriot, on permet. Ouais. Il y a des coulottes dans les mitzvot ou les Issourim des Rabbanan. N'achon ou pas? Mishum Vodabriot, on permet des Issour des Rabbanan. N'achon ou pas? Non? Ça dit rien. Donc il y a des coulottes pour les mitzvot des Rabbanan. Alors d'après ça, c'est-à-dire qu'il y a une coulotte aussi que c'est pas Me'akev la Kavana. Ah, pourtant, on pourrait dire Kol de Takun Rabbanan qui est en Doraita Takun. Que tout ce que les Chachamim, ils viennent instituer, ils viennent faire un copier-coller par rapport au guéder de la Torah. Pas tout le temps. Ici, le Shulchan Aruch, non. On est possèque l'alacha que mitzvot srot kavana. Mais quand les Chachamim, ils ont fait une mitzvah, hein, dans ça, même quand on a fait Bichavana, ils n'ont pas fatigué les gens à reprendre. D'accord? On parle du Bidiavad, hein, bien sûr. On parle du Bidiavad, bien sûr. Vous êtes clair ou pas là? Je ne peux pas continuer si vous n'êtes pas clair. Aval Michel Sofrim, Yeshumrim, Shelacha, Shenser Kavana, Yeshulkim. C'est-à-dire, dans Mizot des Rabbanan, il y a une marloquette. Lui veut dire leur Shulchan Aruch, pour moi, à mes yeux, il dit Shulchan Aruch, pour moi, à mes yeux, Doraïta, il n'y a pas de question. Si tu n'as pas eu la kavana dans le lulav, tu n'as pas eu la kavana dans le chauffard, tu n'as pas eu la kavana dans le kachema de t'acquitter, tu reprends. En safek, en safek. Dans l'épisode de Rabbanan, marloket. Non. En safek, t'as l'autre, c'est. Tout le monde est d'accord que les khatrila font la kavana dans tout. On ne parle pas du les khatrila, font la kavana dans tout. Tu fais une mise à pour t'acquitter. Le Hichem Ichoud, il est dans toutes les mitzvot, même des Rabbanan, ouais. Sur la Kavana, t'as quitté dans toutes les mitzvot. Il dit dans les mitzvot des Rabbanan, Marloket. Viens, Shrolkim. C'est-à-dire, il y en a qui sont Cholek, même pour les mitzvot d'Oraita. Des Kretchema, Imina Torah, Vitzra, Kavana, les Divrei HaKol. Kretchema, c'est Imina Torah. Ouais. Vitzra, Kavana, les Divrei HaKol. On a besoin de la Kavana, d'après tout le monde. Même d'après ce Yesh Cholkim qui dit que l'épisode d'Oraïta aussi, on est quitte. Il a rapporté le Yesh Cholkim à la fin. Ouais. Lui dit que l'Alaha, c'est que dans l'épisode d'Oraïta, on faut avoir la Kavana. Si on ne l'a pas eu, on n'est pas quitte. Ça, c'est l'Alaha. Et dans des Rabbanan, Marloket. Est-ce qu'on est quitte sur l'épisode des Rabbanan? Yesh Cholkim, c'est quoi le Yesh Cholkim? Attends une seconde, j'ai mal lu ou pas? Ah non, le Yeshrolkim, non. Non, le Yeshrolkim est sur des Rabbanan. Non, il est sur des Rabbanan, le Yeshrolkim. Non, je suis trompé. Ah le Béchel livré Sofrim, c'est des Rabbanan. Yeshurim Shelacha, Shenser Kavana. Yeshrolkim dans le des Rabbanan. Non, 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 non. Il ne rapporte pas l'opinion que Mitzvot l'autre sera de Kavana dans le Doraïta. D'accord? Ouais. Et dans le Dérabanan, Marloket. Il dit donc que comme Kretchema c'est Doraïta, il n'y a pas de discussion. D'accord? Comme Kretchema c'est Doraïta, il n'y a pas de discussion. Il n'a pas encore dit ce qui était Doraïta, ce qui était Dérabanan, le Kretchema. Mais Kretchema qui est Doraïta, il n'y a pas de discussion. Parce que moi je te dis qu'il y a une Marloket dans le Dérabanan. Kretchema, ce n'est pas Dérabanan. Donc Kretchema, Divra Hakol, c'est il faut avoir la Kavana et sinon on n'est pas qui. Après, il continue, il développe le sujet sur les autres opinions. Même d'après les opinions qui sont pour moi pas la Chauffard, ouais. Chauffard qui est d'Oraïta, il n'y a pas besoin de Kavana. Mikol Makom, Bekriat Shema. C'est-à-dire Kavana t'alève. Chez Avin, chez Omer, Bepiv. Là, moi, je suis notre Kavana, et la Kavana la tzet, c'est des Chovins. C'est-à-dire, c'est un truc très marrant. Le mec, il est en train, le sofer, je sais pas où qui il veut, en train de lire le Sefer Torah. Il n'a pas l'intention de s'acquitter du Kriyat Shema, mais il faut qu'il comprenne les mots. Voilà. D'après l'opinion que Mitzot, l'autre Sefer Kavana, c'est-à-dire, j'ai pas besoin, avant de dire le Passouk Shema Israël, ah, je vais m'acquitter du Misa. Ah, attention là, je vais faire une Misa, attention là.
Non, non, non. Je suis en train de lire le Sefer Torah, mais tu peux pas lire comme le Shnei Mikra Vecha Targum. Comme un blaire. Puis attends, tu dois dire. Quand tu étais en train de lire le Sefer Torah en l'étudiant, ouais, cher Rabbeinu, les décalogues, le truc, ah, Shema Israël, Hashem Ekune, Shema Echad, j'ai compris ce que je disais. Ani Mevin, Machani Omer. Même que je n'ai pas eu l'intention de la mitzvah, c'est nécessaire, même d'après l'opinion que mitzvah l'autre kavana, tu dois comprendre les mots. Voilà, c'est pas comme le rajma. Voilà. Voilà. Si on a un problème avec le rajma, la preuve du rajma, c'est de ce cas-là, justement. Comment t'expliques le cas du sofer d'après le rajma? Le mec, il est en train de corriger, etc. Tenez, il faut qu'il ait l'intention de lire. Pour le rajma, ça suffit pas l'intention de lire. Dans le cas de l'amour à laquelle. La Gemara, elle nous dit que pour le sofer, il doit avoir dans le Kriyat Shema l'intention de lire, d'accord? De lire, il n'y a pas marqué Kabbalah dans la route Shamaïm. Le Rajba, il est dur dans la Gemara. Peut-être qu'on n'a pas compris le Rajba. En tout cas, ici, il te dit, même d'après l'opinion que je n'ai pas besoin d'avoir l'intention avant d'accomplir la mitzvah, mais dans le Kriyat Shema, il faut comprendre ce que tu dis, mon ami. Mikol makom be Kriyat Shema tser kavana talev chez Avin, ma chez Omer be piv. De l'homme chez l'autre Tzer Kavana et l'abbé Kavana, la Tzed et des Rovas, le Tzer Kavana Taïnian. Alors c'est quoi Kavana Taïnian? Écoute, là il rentre dans le détail. Là il rapporte le Rajba, tu vois. Klomar, chez l'eau Yéharer Bedvarim Acherim, qui est dès chez Kabel Malchut Shamaim Beaskamat Alev, qui est dès. C'est un peu comme je vous ai expliqué le Mishnah Bora, qui est dès. Si maintenant tu traduis les mots correctement et tu penses aux mots comme il se doit au moment où tu le dis, tu peux arriver à ça. Pour arriver à ça, il faut faire correctement cette lecture-là. C'est une lecture où tu es bien concentré dans ce que tu dis. Kédé, il n'y a pas marqué, ouais, chez Sarir, ouais, Kavana, les Kabel, Olmarhout. Non, Kavana de bien faire ce que tu fais. Afin de pouvoir être Mekabel ol Malchut Shamaim. C'est un hercher Kabbalat Malchut Shamaim. Veno domé les char mitzvot. Si, reprends les mots du Rajma. Hein. Veno domé les char mitzvot. Shen mitzvot asiya. Ils ont demandé de souffler, j'ai soufflé. On demande de faire de la musique, j'ai fait de la musique. Vekol sheasa mitzvata, afalpi shelo kiven la, arekiyem mitzvot asiya. Même que je n'ai pas voulu m'acquitter de la sonnerie du chauffard. Mais j'ai sonné, là que je l'ai fait. Et Kol Sheken ou Kiven la 7, Afalpi chez Irer, Ba, Bemsad, Varim Acherim, Yatsa, les divrei à Kol. Waouh, c'est un chidouche ça. T'as vu ça? Si j'ai l'intention de m'acquitter de la mitzvah de Kriyat Shema, hein? Im Kiven la 7, Afalpi chez Irer, Ba, Bemsa, Bedvarim Acherim. Vas-y, Bemsa. Des mots, non? De quoi il parle, Bah, Israël, je pense aux chaussettes, à chaque bonne occasion, Bemsa? je pense à Il s'est bien rappelé des exemples. Gaza. Donc, j'écoute. Azak. Ah là là. Vous n'avez pas chaud? J'ai une humidité. Il y a une humidité terrible. Ah, je me sens pas bien là, tellement j'ai chaud. C'est pas que j'ai chaud, mais j'ai besoin d'enlever un peu l'humidité de la pièce. Excusez-moi de m'interrompre, mais je me sens pas bien. Alors, rien senti. Ils ont tout bloqué, les mecs. Ils ont tout bloqué. Ils ont un contrat avec l'électricité, mais quand ils ont tout bloqué, on sent plus rien. Attends, c'est le soir quand même. Non, oui, ça va. Oui, c'est à la longue, ça remplit la pièce de froid. Et c'est pas le mec, c'est pas Mister Fifth. Ouais. À la longue, ça va remplir la pièce. Je suis un peu loin pour que ça rebondisse sur moi, mais bon. Donc, il faudrait que je fasse comme ça. Je vais me déplacer un petit peu.
Hein? Chaise. Donc, je pense qu'il a raison, Jérémy. Il vient, le Shulchan Aruch vient exclure la compréhension du Bura Halakha. Parce que regardez dans les mots du Shulchan Aruch, il avait marqué au début, il dit Avaltzer Kavanat Ha'enyan, le marché lo yarer bedvarim acherim. Il n'y a pas marqué Bem ça. Bon, il parle maintenant de ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut maintenant avoir la kavana des mots et ne pas penser à d'autres choses. Il n'y a pas marqué Bem ça là-bas. Oui. Alors qu'ici, il y a marqué Bem ça. Que si maintenant ici il a la kavana la tête et bem ça pas sur le mot qu'il est en train de dire entre les mots il a une autre kavana alors là c'est un problème bem ça devrait marcher yatsa les devrait coller créat shema vetfila shem kabbalat ol malchut shamayim aussi dur shvachim et nos bedim chez les vos poney les devrait marcherim il a repris le Rajba hein. C'est les mots du Rajba tout ça. Il disait ça. Il disait kavana parfaite et il est entrecoupé de pensées, ça marche pas non plus. Il avait un Safek Ah, c'est ça. dans le Bura Halakha. Il est sur la même feuille. Hein. C'est pas l'histoire qui est Il a Mashma, oui. Milashon Arashba. Abogav Betesef. Quel mashma l'échora mi pashtuk leshono av Mmh. donc il y a un safek. Viesh la yen les inyan bediava. Donc, comme je ne sais pas si c'est prouvé, je ne sais pas si bediava c'est meakel. Alors, comme il est khatriyan, yesh ni izayat. D'accord? C'est un safek. Et pour la prolki malav. Parce que je vous ai rapporté, vous, dans le shoot à Rajba, et là, chez Fila, avec Kriyat Shema, yesh bem kavana acheret, vi kavana talev shelo learer baem. Bedvarim acherim, kedesh ou piv donc le problème, c'est d'avoir une mauvaise intention au moment où je le dis. Pas entre les mots. Sur le mot, je dois avoir la bonne intention. Il rajba là-bas, kedesh ou piv velibo Donc, il permettrait d'avoir des petites pauses d'égarement. oui, voilà, tout le monde permet. Le Rav Orbar, il dit si c'est vrai, c'est à l'achat du rajba. J'ai dit mais qui c'est qui quitte de Maganavot? Le schéma, c'est peut-être possible. Mais pas bien d'Abraham de reprendre les mots qu'on n'a pas bien fait. Mais d'un trait, d'avoir fait tout Magan Abraham sans avoir aucune pensée au milieu, c'est un truc impossible. Il dit le Rav Orbar, Aniyar, femme la tati c'est compliqué, c'est long quand même, Magan Abraham. J'ai vu que Non, surtout quand tu parles de certaines notions, souvent il y a des associations inintentionnelles. Quand dit ou Mevi Goël et tout, alors je pense à Hachem, à Azat, et après je glisse à autre chose. Tu comprends, si tu démets Mitkaven, ça se mord la queue. Du coup, tu essaies de te représenter la chose un peu plus claire et ça te fait glisser vers d'autres choses comparables. c'est sympa comme c'est la bracha qu'on a concentré. C'est quoi la bracha? la bracha? C'est depuis le début de la bracha Vadaï! jusqu'à Maganavram. Vadaï, c'est dans les paquets. Toute la bracha. Un piton. C'est un problème de conscience. Non, c'est peut-être pour ça que je suis doux, j'avais lu que disons que quelqu'un doit penser à quelque chose, c'est obligé, sinon il devient fou s'il ne pense pas à ça. Bah, il s'arrête dans sa amygdala, il y pense, le temps que ça prend, après il pense à l'amygdala, mais pas les deux en même temps. Ouais, mais pas comme le Rajba. Alors, je ne sais pas, il te permettait de dire la même chose. Ben Ah, non, mais, entre ah le oui, il mot, dit bon d'après la des. compréhension du Bura Halakha, et de penser au milieu. Oui. Un problème. Le mec, il va reprendre. Le mec. Il y a Il va une finir en bête d'avot. logique. Alors, donc, on reprend. Donc, c'est un safek du Bura Halakha que le Rav Moshe Feinstein est cholek, le Rav Orbar est cholek, et la preuve que moi j'avais vu, c'est dans le Shu'ta Rajba, et j'ai vu certains chroniques qui rapportent cette preuve-là, que l'enjeu du Rajba, c'est pas d'apprendre ce chidouche-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux types de kavana. L'enjeu du Rajba, quand il parle de part de kavana, j'aime ça, c'est pas de sortir un nouveau chidouche. Je veux dire, il y a deux types de kavana, Rajba. Il y a la kavana la tzet, et la kavana, ouais, d'être concentré. Ouais. Il a aucune preuve de l'agmara qu'une kavana entre deux mots pose problème, et aucune raison d'expliquer ce chidouche-là. Ce n'est pas nécessaire dans son développement. C'est ce que mon rave appelait digluke aniout, c'est-à-dire
Comment tu déduis des mots d'un POSEC? Ouais, les mots, ça a l'air d'être comme ça. Oui, mais le POSEC, il ne parle pas de ça. Oui. Il n'a pas de raison d'en parler, il n'en parle pas. Oui, mais dans les mots, c'est machma. Oui, c'est machma, je veux bien. Mais on ne va pas prendre comment dirais-je, le Rishon qui s'exprime comme des psukim où là, il y a un mot en trop. On ne va pas faire des drachotradages sur le. Pourquoi il est en train de s'exprimer le Rashba? Pour te dire que le Kriyat Shema, il y a une kavana en plus. Il ne faut pas être déconcentré quand je dis les mots. Il y a kavana latzed dans les autres mitzvahs, et dans Kriyat Shema et dans Magan Avraham, il faut être concentré sur ce qu'on dit. C'est une kavana différente de ce qu'on a vu sur les autres mitzvot. Et donc c'est ça qui veut expliquer là-bas le Rashba. C'est une kavana différente de ce qu'on appelle mitzvot Srot Kavana. C'est tout. Pourquoi il devrait maintenant arriver à un extrême? Que non seulement Kavana des mots, et même entre les mots, c'est un problème. Il n'a pas besoin de dire ça pour répondre à sa question. Surtout dans leur shoot à Rajba qui reprend le même développement, il ne rapporte pas Bemsa. Le mot Bemsa, il ne le rapporte pas. Il dit Piv et Libo Shavim. Que ce que tu dis, tu dois le dire intentionnellement. Ce que tu dis. Il ne dit pas Bemsa. Ce mot Bemsa, il a, dans le shoot, qui est beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé que ce qu'il a dit dans le Chidushim, il reprend pas cette comment dirais-je cette tournure de phrase qui a posé problème au bureau halakha. Donc on a deux bonnes raisons de ne pas tirer de là une halakha. Les karan octim acharonim, les gars de Mishnah Moura. Non, surtout qu'avant la remarque du Mishnah Moura, personne ne nous a raconté une histoire pareille. Celui qui a une kavana BMT, on n'avait pas vu cette histoire-là. Ouais. Ouais. Donc c'est un joli digdouk, mais c'est un peu mercoudage pour que ce soit tellement pas connu de la halakha pendant des siècles. Moi, ça fait 12 minutes à moi. Vous deux, Mounard. On n'est pas là pour juger, mais juste au niveau de la Lara. Ani l'homme armir que moi, Koumrazati. Parce que, ayant étudié la Souga, je ne pense pas que c'est prouvé cette lecture. Très bien, on continue. Ouais, bon, il y a des trucs que je comprends pas trop dans la chaîne du journal, mais je veux pas revenir. Il y a des trucs que j'ai pas compris dans sur la chaîne. On peut être médaillé différemment de ce que j'ai expliqué, mais moi je voulais rapporter, c'est pour la suite. J'ai un petit problème de lecture, mais c'est pas grave. Mais Colze, on est dans le pratiquement dernier paragraphe. Là, il dit un très très grand chidouche. Donc là, il a expliqué pour l'instant globalement la différence entre Kriyat Shema et les autres mitzvot. Maintenant, il veut expliquer une différence entre le premier passouk et le reste du Kriyat Shema. D'abord, un chilouk à ta froid, Julien? Non, mais ça, je pense que ça enlevait un petit peu de. Ça va me suffire. J'ai pas envie de vous congeler quand même. Alors, il dit. Après avoir expliqué que Kriyat Shema, c'est différent des autres mitzvot, il explique que le premier passouk, c'est différent du reste du Kriyat Shema. D'accord? Ça, c'est le plan. École, c'est le passouk, c'est le Kriyat Shema. Chou Shema Israël. Chou Ikar, Kabbalah, Tomah, Kouchamaim. Vechen, Bebracha, Rishona, Shel Fila. Aval. Mi'a Afta, Ve'a Afta, Ve'elach. En a Kavana, Me'a Kevet, Bediaval, bien sûr. Les Khatrila, on doit avoir la Kavana. Et si on ne l'a pas lu, on n'est pas obligé de se reprendre. Et là, il reprend, écoutez bien ce qu'il dit, il reprend Shulchan Aruch. Va filo ya kore ba Torah ou magia parashiot. Donc il reprend le point délicat. Va filo ya kore ba Torah ou magia parashiot. On est dans le Bediavan. Va filo ya kore ba Torah ou magia parashiot. Elou. Be'onat kriat shema. Yatsai de Chovato. Afalpi shelo nitkaven latset. C'est comme le Kesef Mishneh, ouais. Kesef Mishneh dit, on a besoin de nitkaven latset que dans le pré-passouk. Le reste, non, c'est bon. Afalpi shelo nitkaven latset yede Chovato, veu shenit kaven bepasouk rishon. Regarde ce qu'il met dans la parenthèse. L'ensemble, c'est la rapportée de Beth Yosef. Mipne, Sheikar, Kriat Shema, Enoela. Pasukrishon, Bilvad, Shumina Torah. L'essentiel du Kriyat Shema, c'est le premier verset qui est d'Oraita. Ve'ashar Shetiknu Chachamim. Donc, puisque le reste, ça a été institué par les Chachamim,
Loïtsrichu Kavana. Et là, les Khatrila. Ils n'ont pas dit de lire comme un blaire. Ils essaient de lire bien, mais c'est que les Khatrila. Avalim, Kara, Achar, Belo Kavana. En Sarir Larzor, Velikrot. Ben Shekara, Belo Kavana. That's it. Ou Ben Shelo Kavana, Aïnian. Donc, Chachamim, ils ont institué d'étendre le devoir de la Torah. La Torah, c'est un passouk. Ils ont étendu le devoir, il faut dire encore toute la première paracha, même la deuxième. La troisième paracha, c'est un autre sujet, c'est Yetzer Mitzrayim, ouais, donc on n'a pas besoin d'en parler. Mais en tout cas, ils ont non seulement imposé de dire toute la première paracha, et même la deuxième. Ça, c'est des rabbanins. Mais quand tu as bien fait le premier passouk, ce n'est pas grave après la suite. Même tu n'as pas eu la kavana, la tzed du devoir des rabbanins que tu es en train de lire. Et ils demandaient pourtant, il y a une opinion que Misot Srot Kavana. Même pour les misotes des rabbanans, on a dit là-haut. Et pourtant, on a dit là-haut qu'il y a une opinion que même pour les autres des rabbanans, il y a un devoir kavana à la tête. Ve'av la'omrim, she'av mitzvot shel divrei sofrim, tzrichim kavana, la tête. Même lui, il est d'accord. Pourquoi il dit ça? Parce que le Rambam, on voit qu'il pense que même dans divrei sofrim, il y a ce kavana à la tête, parce qu'il parle dans Megillah, le Rambam. Peut-être c'est une marloquette. Non, le Rambam qui dit que dans Megillah, il faut Kavanah Latzed, ici, il dit que c'est différent. Pourquoi? Écoutez bien cette phrase. Kevan, She'ena mitzvat asiya, Ela kabbalat malchut shamayim ve'ol mitzvot, Shudavar ataloui bekavanat ha'inyan. Ou lefichach, Kevan, She'lo yitzrichu lachzor velikrot, Mipnei chisaron ha'kavanah, ta'inyan. Lo yitzrichu gam ken larzor mipnei chisaron kavana latzet ki ma betza, ça sert à quoi? Sharzor les dabar blilev ou les daber blilev vedaï be ma yitzrichu likrot bechol yom shel deken yavo gam ken le kabbala balev berov haparamim shari le chatrila yitzrichu kavana. Et là, Sheim ira mikre shelo itkaven lo itrichu lachzor. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a deux kavanas. Le but du Kriyat Shema, c'est d'intérioriser des idées fondamentales. C'est le but. Ils ont imposé, la Torah a imposé le premier passou. Ouais, imposé. Mais Chaim nous dit aussi une idée fondamentale, comme il a. On a débattu longtemps avec la Tanne, Kabbalat Ol Mitzvot, c'est une idée fondamentale. Mais comme c'est des rabbanins, ouais, de dire cette idée-là. Alors ils ont dit, bon, Loïtrichou, ils n'ont pas forcé. Ouais. Parce que tu imagines si Chaim, ils avaient forcé, qu'est-ce qui serait passé? On parle pas du rentrer, on parle du Bédiaval. Celui maintenant qui a dit en rêvassant le premier paragraphe, Vayem Shamor, il n'a pas. C'est pas conscient. Tu imagines l'effort ou pas? De dire les Khatrila, ouais, toutes les notions, la première paracha et deuxième paracha. C'est énorme. C'est ce qu'on doit faire, les Khatrila. Mais si on ne l'a pas fait, on doit reprendre. Ils n'ont pas voulu faire une telle takana. C'est énorme. Qu'on n'est pas quitte. On dit d'accord, alors. Mais Seder, mais là, tu n'as même pas eu. La question est comme ça. Mais Seder, mais tu n'as même pas eu la Kavana à la Tzet. Alors fais-lui le reprendre. Au moins qu'il ait Kavana l'Ikro. Oui. C'est la question. Il À cause du Rambam, il dit même que tu n'as pas la Kavana à la Tzet, c'est pas grave. Mais pourquoi? Le mec n'a pas eu la Kavana Hatzed. Alors comme Megillat Esther, on lui fait relire, c'est pas grave qu'il comprenne, qu'il ne comprenne pas. Pourquoi que c'est pire que Megillat Esther? Pourquoi c'est pire? On n'a pas pu imposer Kavana Ta'enyan Leikuvah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'a pas imposé, on ne reprend pas même si on n'a aucune Kavana, même Kavana Hatzed. Pourquoi? C'est le problème. C'est Michael. Voilà. C'est-à-dire, on a un enjeu super important. Il est tellement important l'enjeu qu'on va être plus Mekel qu'ailleurs. Oui. Comment ça marche? Vous comprenez la question ou pas, Marco? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire, Nachon, que les Chachamim, ils n'ont pas eu imposé de voir la Kavana, et que si tu n'as pas la Kavana, tu reprends. Sinon, tu reprends tout le temps Vayem Shamoa et tout, tu rêvasses. C'est très dur. Ouais, très dur. Très dur. Donc, on peut comprendre. Mais pourquoi? Ils ont dit, bon, tu ne te reprends pas si tu n'as pas eu la Kavana Ta'enyan. Mais même si tu n'as pas eu Kavana Latse, tu ne te reprends pas. Pourquoi pas? On pourrait dire, tu dois avoir la Kavana, comme le Mishnah Brura, hein. Le Mishnah Brura, il dit comme ça.
Il s'abroue dans la première opinion. Il dit, tu vas à la Kavana 7, tu n'as pas eu la Kavana 7 des autres parachutes, tu reprends. D'après la première opinion du Mishtamura, tu n'as pas eu Kavana 7 des parachutes, tu reprends. Première opinion du Mishtamura. Kavana Tainian, c'est que le premier pasouk. Kavana Latset, c'est toutes les parachutes. Pourquoi on ne dit pas comme la première opinion du Mishtamura? Nahon, tu n'as pas eu la Kavana de bien comprendre les mots, c'est compliqué. Il faut l'avoir, il faut avoir la Kavana des mots. Mais tu l'as pas eu, on ne te fait pas reprendre. Mais d'après la première opinion, on nous dit, au nom du Ritva, si tu n'as pas eu Kavana à la tête, tu étais Koré la Guia, ben là tu reprends. Pourquoi maintenant on ne dit pas comme ça? Naron, je peux reprendre facilement en ayant Kavana à la tête. C'est faisable? Oui, même si De je me prends. faire reprendre Kavana Tainan, ce n'est pas faisable. Oui, je prends pour Mais ça. Kavana à la tête, c'est oui faisable. Alors pourquoi on fait pas ça? Et non, parce que. C'est dommage de te faire reprendre pour quelque chose qui n'est pas le but. Le Krat Shema, il est entre deux chaises. Il y a un truc très dur à faire, mais c'est le but. C'est Kavanat Ha'inyan. Et ce Kavanat Ha'inyan, comme il a dit Jonathan, c'est surtout le Krat Shema. Il Et faudra après. être Mekabel, Ol Malchut Shamaim, Bet Kabel, Ol Mitzvot. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Mais c'est très dur à faire. Maintenant, si je te fais reprendre pour avoir juste Kavanat Ha'inyan, je te fais reprendre quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit de la loi. Tu vas le refaire, pas avec Mais le truc. voilà. En tout cas, tu C'est pas risques. bon. Voilà, On va comme ça. Première lancée, on te demande. Tu arrives le matin. Première lancée, tu vas essayer de mettre toutes tes forces pour faire la Kavanat Ha'inyan. T'as le devoir de faire Kavanat Ha'inyan pour tous les khatri là. D'accord? T'as raté. Niveau moins un peu plus bas. Alors maintenant, on va te faire reprendre. Mais il y a des chances que quand tu as raté, tu vas rater encore une fois. T'as raté Kavanat Ha'inyan. C'est un peu l'histoire de Magana, celui qui a raté la Mida, on ne le fait pas reprendre. Sauf que là, il n'y a pas de problème de Bracha Levatala, Zevdel. Là, on aurait pu faire reprendre. Ouais. Là-bas, il y a Bracha Levatala, c'est pour ça qu'on ne fait pas reprendre. Mais là, tu as raté. Est-ce qu'on fait te reprendre ouais, le Kriyat Shema avec Kavanat Latzet? Bien qu'il y ait des chances que tu ne vas pas avoir Kavanat Ha'inyan. Et non, non. Pourquoi non? Pourquoi non? Ouais, pourquoi non? Non, mais il parle de la Takana quand même. On parle ici, Harem, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'origine? Oui, là c'est Ouais. Eux, ils ont pas. Eux, ils expliquent qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, les Harem, l'origine. À l'origine, on dit, maintenant, tu dois les rattraper là, faire tout comme il faut. Quand tu as raté, c'est pas grave. Quoi, j'ai tout raté? T'as tout raté, c'est pas grave. T'as bien fait pour le bazouk, alors c'est pas grave. Quand t'as raté, tout raté. Pourquoi? Fais-moi reprendre Kavana à la tête. Non, ils n'ont pas fait une telle Takana ici. Ils ont fait une Takana différente des autres endroits. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Vav le Omrim, on reprend le dernier paragraphe. Vav le Omrim, Shav Mizot, Shad Mizot, Sofrim, Srichim, Kavan à la tête, Mikol Makom, Bikrat Shema, Kivan, Shena, Mitzvot, Asiel et Kabbalat, Malchut, Shamaim. L'essentiel de la mitzvah, c'est le Enyan. C'est pas une lecture symbolique. Kavan, Ol Malchut, Shamaim, Ol Mitzvot. L'essentiel, si on veut que tu prennes sur toi des choses. Shudavar, Atalou, Bekavana, Ta'enyan. Les fichar, kevan, shelo, itzrichu, l'arzor, velikrot, mipre, mipne, chisaron, kavana, tainyan. Puisque maintenant, on te dit même que c'est super important d'être mekabel, ol malchut shamaim, velimut Torah, ve'ahava, ve'ol mitzvot. Ils t'ont pas fait reprendre pour ça. Hein? Alors que c'est super important et c'est le but. Ils t'ont pas fait reprendre pour le but. Ouais. Alors, shelo, itzrichu, kamken, l'arzor, mipne, chisaron, kavana, latset. Qui m'a bêtsa, à quoi ça sert, m'a bêtsa? Cher Zor, les davar, ou les daber, blilev. Vedaï, bema, comme on veut, ils ne t'ont pas forcé de reprendre pour Kavanat Ha'inyan, donc ils vont te forcer pour reprendre pour Kavana Latset. Ah ben, c'est pas la Matara. C'est pas la Matara. Et Azma, mais c'est mieux que rien. Il rajoute. Il fait die, non, die, parce que du coup, j'ai rien fait alors quand j'ai lu le reste du Kriyat Shema. C'est dommage, au moins que je relise en ayant Kavanat Ha'inyan. Non, c'est pas grave, que tu pas grave de relire. Pourquoi? Parce que die bema sheitzrichu likrot bechol yom. C'est un truc très étonnant. Puisqu'on le lit chaque jour, et que le premier, on commence bien le Kriyat Shema en ayant Kavanat Vedaï, Bema, Shetrichou, les crottes, Becholium, Chalidé, Ken, Yavo, Gamken, les Kabbalah, Balev, Berov, Pahamim, Char et les Khatrila, et Trirou, Kavana, et là, Chehim, Ira, Mikre, Chehim, Kabel, le Trichou, l'Arzor.
Puisque j'ai un devoir de faire bien les choses, c'est pas facultatif. Faut que je fasse comme il a dit Nathan, Kabbalah, de Kabbalah, de Mitzvot. Ça, c'est comme ça que je dois faire. Ouais. Un jour, j'ai raté. Ouais. J'ai fait complètement. Bon, Corée Lagache, ça ne nous concerne pas tellement comme cas de figure, mais bon, je sais pas. J'étais complètement dans les choux. Ouais, complètement dans les choux. Je sais pas comment il fait, mais. Il s'est interrompu, il est revenu, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il a dû s'interrompre. Parce que dans le lancer, d'avoir Kavana à la tête du premier passouk et pas du reste, c'est un peu compliqué comme cas de figure. Parce qu'on y grare un peu, ouais. C'est-à-dire, s'il fait tout sans s'interrompre, ouais. C'est un peu compliqué. Bon, moi, je pense qu'on parlait d'un cas où il s'est interrompu au milieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est le mec qui a le Kavana à la tête pour le premier passouk. C'est difficile de ne pas avoir Kavana à la tête pour la suite. Il fait tout d'un Ah, trait, la quoi. tête. Kavana à la tête. Ouais. Tout à fait. On parle d'un cas où il n'a même pas Kavana à la tête. Mais là, c'est de quoi? Une note globale dans le malchoute ou aussi de Titi, de Bartama? La Quand vous tête. dites la tête, de La quoi? tête. La tête, C'est la couche, du devoir. du neuf avec schéma. Sans rentrer des idées. Ok. Inan, par contre, c'est plus tout ce qui est Aleva Vera, Mezuzot. Quand vous dites Kavana Inan, c'est quoi? Alors lui, C'est toutes les il a, idées? lui il a dit comme idée, il a dit uniquement Malchut Shamaim ve'ol mitzvot. Et il fait tout le schéma. Il est le C2, que de la tête de Inan aussi. Je crois qu'il fait ça. Je comprends pas. Quand vous dites Kavanat HaInyan, est-ce que c'est toutes les idées qui sont mentionnées dans le schéma? Tous les mots. Non, certes. Les mezouzot, les tefillin, enseigner la Torah. Tous les mots. Ouais, c'est juste l'idée Tous les globale mots. des Les mezouzot. mots. On revient à notre discussion sur l'Ajma, Ouais. ouais. Est-ce que le Inyan, il passe bien les mots? Tu reviens un peu à la même question. Hein. Tu reviens un Non, peu à la même question. même sans parler des mots, c'est Non, quoi la mais c'est ça le définition problème. Mais de. c'est ça que je te parle. Ouais. Je veux te parler des mots, justement. Reviens au même problème qu'on a dans l'Ajma. Ouais. Si je suis Mekaber Ça Moachek sans résout. comprendre les mots, est-ce que ça vaut quelque chose? Non, À mais la base, c'est des mots. la carte aïe, Mais ça maintenant, résout. les mots, faut les méditer Ouais. aux implications. Mais ça commence par des mots. Alors, tu demandes quel mot? Mais Ouais. pas sans les mots. Est-ce que c'est au global ou c'est toutes les idées Parce que, sous-jacentes? par exemple, le mec, il a rêvé à un certain moment, mais quand il dit Vayem Shamoa, ouais, t'auras la pluie. C'est-à-dire, il faut qu'il soit connecté aux mots, on va dire, fondamentaux, qu'il ramène à l'idée que les mitzvot, c'est quelque chose d'obligatoire et il y a un prix à payer si on ne le fait pas et un salaire si on le fait. D'accord? Ouais, j'imagine, ouais. D'après ce que lui dit, c'est all mitzvot. Bon, all mitzvot, c'est difficile en vérité de faire all mitzvot parce que c'est un peu l'ambiance de la deuxième paracha. Difficile de faire certains mots et pas d'autres. Je sais pas comment on peut faire. Parce que c'est un peu global le all mitzvot dans la deuxième paracha. On commence par Vayem Shamway, on finit par l'expulsion de la terre d'Israël parce qu'on a fauté. Ou non, ça c'est au milieu et à la fin on dit si on n'a pas fauté, nos enfants et tout ça, on va rester sur la terre d'Israël. Donc c'est. Ça, il y a des parenthèses, mais c'est globalement du début jusqu'à la fin, quoi, dans Vayem Shamoa. Cette idée-là que les mitzvot, c'est Mechayev Otanou et on risque gros si on ne le fait pas. Donc, je ne sais pas techniquement comment on peut s'arranger à faire partiellement Vayem Shamoa. Parce qu'il y a différents rappels au milieu. Oui, Ce n'est pas comme chez Shema Israël, tu as la proclamation et après les conséquences. C'est bien réparti dans Shema Israël. Dans Vayem Shamoa, ce n'est pas bien réparti au mitzvot. On commence par les mitzvot. Après, si tu fais Torah la pluie, tu ne fais pas boum. Après, on rappelle A pour te rappeler et pas être pris par l'oubli alors tu as fini, etc. Après, on reprend. Mais si tu fais bien les choses, alors tes enfants, tout ça, et toi, tu seras juste cette terre-là jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est entrecoupé, mais elle revient sous différentes formes, cette idée-là. Donc, ce n'est pas comme schéma Israël, proclamation et conséquence. Il y a une frontière assez claire. Dans Vayem Shamoa, tout est mélangé, quoi. C'est difficile de faire une partie sans tout. C'est ça que je me demande si techniquement c'est possible ce que tu dis. Attendez, donc on reprend ici. Il dit Ma betsa she'arzor ledaber blilev. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas pu te faire reprendre, c'est un truc intéressant, ils n'ont pas pu te faire reprendre comme l'esprit de la loi de méditer aux idées, alors ils ne vont pas te faire reprendre juste un texte en ayant l'intention de t'acquitter. Pourquoi? De toute façon, tu auras l'occasion de le dire bien. C'est C'est-à-dire, assez si par lourd. exemple, le Kriyat Shema, c'était une fois par an, pour un cas hypothétique, une fois par an, le mec, il a raté son Kriyat Shema, il a fait le premier passouk Bekavana, et le reste, il n'a même pas Kavana à la tête. Et c'est dommage, parce que le texte fondamental, tu l'as complètement raté. Non seulement, tu n'étais pas concentré dessus, mais en plus, tu ne l'as même pas lu en ayant l'intention de t'acquitter. Reprends-le, au moins, t'es quitte de la lecture. Mais il a dit non, la lecture, c'est pas grave. T'as tellement l'occasion de le relire
et que l'impulsion que te donne le premier passouk qui te donne Kavanat Alev et toute la création vérité, il y a un devoir les ratrilas d'avoir Kavanat Alev. Donc tu vas pas tous les jours être dans le Bediavad. Les ratrilas font Kavanat Alev sur tout. Les ratrilas font Kavanat Alev sur tout. Donc tu vas pas être tous les jours dans le Bediavad. Donc on ne te fait pas reprendre. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui tu as mal fait, tu n'as même pas eu Kavana la tête, il y a des chances que tu le fasses mal. Ah, demain, tu le feras bien entièrement. Ah, Pirov, tu le fais bien, tu fais une Kavana. Sort sur la vida, c'est ça. Manian sur Alpirov. Hein. On n'est pas dan sur la mitzvah du jour. Il y a deux idées ici. Il y a deux idées qui sont hybrides un peu. C'est un Timbout hybride. Il va pas dire que les mitzvahs qu'on fait tous les jours, si t'as mal fait, c'est pas grave, parce que demain, tu le feras bien. C'est pas ça qu'il dit. Arrête, t'as bien fait le schéma Israël, le premier passage, tu l'as bien fait. On n'a pas dit, si t'as mal fait le Kriyat Shema, c'est pas grave, tu le feras demain. On n'a pas dit ça. T'es quitte du Icar. On parle ici, t'es quitte du Icar, mais est-ce qu'on fait te reprendre? Est-ce qu'on va te faire reprendre ce que t'as très mal fait? T'as même pas eu Kavanat Hatzedd pour la suite. Et non, parce que le mec est complètement dans les choux. On va faire reprendre pourquoi? On ne peut pas lui faire reprendre pour Kavanat Inyan que s'il a mal fait, il n'est pas quitte. Parce que Kavanat Inyan, on est quitte. Donc, le faire reprendre Bediavad, c'est pour être quitte Bediavad. Quitte du Bediavad, c'est dommage. Le faire reprendre pour quitte, c'est dommage. Le but de la mitzvah, ce n'est pas comme sonner du shofar, c'est d'intérioriser des choses. Le Kriyat Shema, ce n'est pas faire un acte, c'est d'intérioriser des idées. Donc, de faire reprendre, comment dirais-je, pour juste dire des mots à la tête, c'est dommage. Puisque de toute façon, demain, tu vas le faire. Et demain, tu auras le devoir d'accomplir l'esprit de la loi demain. C'est pas facultatif l'esprit de la loi. Ça arrive les tkaven, mais quoi la kriyat shema. Donc les rabbins, ils ont fait, il y a une misa des rabbanan. Est-ce qu'on va être matriarotam? En plus, je veux dire un truc. Je ne sais pas si c'est ça qu'il dit, mais quand on te force, par exemple, des fois, on n'a pas fait la mida. On fait deux fois, on fait tachlomim. Elle est pourrie ou pas la tfila de tachlomim? Elle est complètement pourrie. Les choses qu'on te fait reprendre, on le fait vraiment naze. Ouais, comment on a fait kriyat shema trop tôt en été et on le fait le soir, on le fait bien? On ne fait pas bien. Toutes les choses qu'on reprend, on ne les fait pas bien. Vous avez remarqué ou pas? Même par exemple, tu fais la Shkia, la Arvit. Et après, tu sais, on refait le Kriyat Shema. C'est très dur. Et quand on te fait reprendre le Kriyat Shema, alors que je ne suis pas quitte en vérité, je fais la Shkia, ouais. De le faire bien quand on reprend quelque chose. Psychologiquement, je ressens encore ça la chose. Les choses qu'on te fait reprendre, tu les fais plus bâcler. Ça te saoule. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Donc là, si on te fait reprendre, il y a de grandes chances que tu vas faire blic à Vanatain. Encore pire C'est si pour tu te fais. rattraper. Mais là, je suis quitte, va quitter. Mais il y a peu de chances que tu vas le faire le Lechatrila à ce moment-là. Parce que c'est pour m'acquitter que je le reprends. Alors que le lendemain, je suis tout frais, je suis tout jeune. La misère, j'essaie de la faire bien. Il y a plus de chances que demain je fasse Kavanatainian que reprendre aujourd'hui. Il y a peu de chances quand je reprends aujourd'hui que je vais faire Kavanatainian. C'est vraiment une chouga psychologique ici. Hein. Et dans la Kavana des sages, comment ils ont fait la Takana? Je trouve ça très. Non, vous n'avez pas vu, c'est fin ce qu'il dit quand même, non? Non, ça ne vous a pas marqué? Julien, ça n'a pas parlé trop. Je ne comprends pas trop le problème sur le chemin Israël depuis 420. Donc, quand ça vient d'être besoin, Alors, j'ai ensuite, la même question. Alors, je dis qu'à on parle d'un cas que le mec il s'est interrompu. Et une azaka, ou quelqu'un lui a parlé, après il a continué. il n'a pas réussi à tuer Non, il a oublié qu'il est dans le Sidour, ouais. Hein. Il est dans le Sidour, le mec. Ouais, il y a des textes dans le Sidour. Non, c'est garni. C'est garni. Ouais, je pense que quand il a pris, il a pris, quoi. Il a pris tout, après qu'il s'arrête. Je ne sais pas, moi je comprends ta question, mais je peux imaginer, tu vois, par exemple, le mec, je suis en retard. Là, tu fais, je fonce, je lis, ouais. Donc maintenant, je ouais. Et après, il faut que je lise pour arriver à l'Amida. Est-ce que je veux m'acquitter de ce que je lis ou. L'Obarour, Kolkar. L'Obarour, Kolkar. C'est-à-dire, quand je fais bien les choses, alors, je suis posé. Quand je suis bien stress, l'Obarour, est-ce que je lis pour arriver à l'Amida ou je lis pour accomplir une mitzvah? Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas pour moi très tranché comme idée. Ouais. Donc c'est le cas de figure qui t'intéresse, qui te dérange. Moi, c'est la svara qui me dit, qui m'intéresse. C'est-à-dire, admettons le cas de figure qu'il existe, d'accord? Son histoire, que comme c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, et quand on le fait tous les jours, on peut le bien faire parce que c'est du premier coup. Mais quand tu as raté, on te fait reprendre, il y a des chances que tu fasses juste que
L'Atzel v'bli Kavanataynian. Donc ici, nous met en avant l'idée que Kavanataynian, c'est fondamental ici. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu imposer les Chachamim, dans ce qu'ils ont rajouté, c'est Me'akev. Mais ils ne veulent pas que tu sois Mezalzel dans le Inyan. Donc de te faire reprendre sans Kavanataynian, c'est un peu perdre l'enjeu. Faire un truc. C'est un peu ce que je vous raconte tout le temps, ouais. De faire des télims, ouais, sans comprendre. Milechatrila, c'est quand même dommage. Que tu n'as pas compris au milieu, parce que. Milechatrila, de faire un acte qui est insensé, c'est dommage. De te faire reprendre, ouais, le Ve'ayam Shamoa, ou même la première parole, qu'il y a des chances que ça soit Bli Kavanat Ha'inyan, ouais, même que j'ai Kavanat Ha'inyan, bah, tu feras mieux d'autres fois. On ne veut pas te forcer à faire quelque chose de dafouk. Il y a des chances soit dafouk, alors on ne veut pas te forcer. C'est-à-dire, les maasés, c'est la takana des rabbanan. C'est-à-dire, c'est pas moi qui dis. Si Chaim dit cela, tu dois, par exemple, d'après la première opinion du Mishnah Berurah, on te force. Même si c'est dafouk, on s'en fout. Lâchez l'âme. Qu'est-ce qu'ils ont institué les Chachamim? Là, on est en train de rentrer dans la tête des Chachamim qui étaient assis autour d'une table, pas ronde, ouais, ils étaient assis. Comment on va être métaken la takana des rabbanan du Kriyat Shema? Est-ce qu'on va imposer de revenir ou pas? On est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont voulu instituer comme définition. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme définition. C'est eux qui décident. Il va les faire reprendre parce qu'il a fait tout nul après. Mais comment il va reprendre? Il va reprendre un peu nul. Alors non, il fera mieux demain. Donc l'eau est trichou birkla l'arzo. Ikilou les gamré. Comme ça, il veut expliquer le Rambam, lui, ben, c'est le choix. Il veut expliquer le Rambam. Et donc, ce n'est pas sauté avec l'Agmara. L'Agmara, elle parle, le mec, il n'a aucune kavana. Même pour le premier passouk, il n'a rien fait. Et il a fait quelque chose. Mais le rajout des rabbanan, il a mal fait. Dans le rajout des rabbanan, il y a une svara de dire, on ne veut pas. Refaire mal, refais le bien demain. Voilà. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre correctement son. Ça se verra, j'ai trouvé ça intéressant comme pirouette intellectuelle. Non? Ça ne vous a pas intéressé? Jérémy, tu as trouvé ça intéressant ou pas? C'est du. En choix craché, rien. Il n'y a aucun mécor. C'est lui tout seul.